Si vous cherchez une personne avec ces critères que je viens de citer, ou que vous voulez vivre une nouvelle expérience avec moi, je suis con. Une belle victoire. La plupart du temps, c'est Mika qui, lui, me douche. Hein. Et ça, c'est propre. Tu me fais baver, frère. Non, c'est pas ce que vous croyez, c'est... Salut tout le monde, c'est Folirex, j'espère que vous êtes tous rex. Et si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressé par Mario Kart 8. Non ? C'est... Folirex Kart 8. Oh, c'est... Mais, Kart 30 Rex. C'est... Merde, Kart Folirex. Donc le jeu est sorti le 30 mai en France, et vous savez quoi ? Le jeu est sorti le... 60 et quelques, je crois. En moi, on va le découvrir ensemble. Sensationnel. Nous voilà directement dans le Mario. On voit qu'il y a 5 modes disponibles avec un mode solo, un mode multijoueur solo, un mode solo, un mode solo. Non, je ne dirais pas, mais c'est de place. Merde. Merde, je l'ai dit. Merde. Merde. Oh merde. Merde. Oh merde. Alors, la nouveauté, c'est Mario Kart TV qu'on voit tout en bas de l'écran. C'est pas un mode de jeu, c'est plutôt suite. Nouveauté de Mario avec son Sim qui vous permet de partager vos moments forts de vos circuits avec moi. Je vous présente ça un petit peu plus en détail après. C'est un petit peu dérangeant. Niveau personnage, on a les personnages habituels avec le retour des cartes de jeu qui n'étaient pas présents lors de la version sur Mario Kart 8. Autrement, bah, on peut s'affronter jusqu'à 12 joueurs. Non, on peut s'affronter jusqu'à 7. J'ai même eu la chance de croiser des joueurs mondialement connus avec Mario qui est surnommé dans le jargon mais. C'est marrant, merde. Non, c'est ma vidéo, je dis ce que je veux. Mais. Et bonne, il y a même contre des Chinois. Allez, je vous présente le mode Mario Kart TV. Je sais que vous l'attendiez parce que c'est la grosse nouveauté. Non. C'est un truc extraordinaire. Non. Faut vraiment, je sais pas, moi, j'ai jamais été influencé par la pub. Quoi ? Hmm ? Ah oui. Je suis con. Salut les gamers, c'est Mario. Allô ? Comme vous l'aurez sûrement compris, aujourd'hui on va parler des pubs. C'est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus à la télé et sur internet. Non mais c'est vrai, ça fait plusieurs années qu'on se fait avoir par Activision par exemple. J'ai pu de ta maman. Qu'est-ce que j'ai dit ? Y'a rien de drôle. Et en parlant de ta maman justement, vous avez vu comment ils procédaient pour faire leur pub chez Canon et... Bonjour monsieur, vous voulez une... Mais... C'est con. Voilà comment ça aurait dû être fait. On en refait une. Ok, c'est parti. Alors si toi aussi ma vidéo c'est de la bonne, alors partage la vidéo, aime-la et abonne-toi. Si t'as envie. Salut, c'est le Matty, et je m'incruste pour vous dire un tout petit truc. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez un petit lien pour utiliser mon image afin d'enchaîner un maximum de belles victoires. N'hésitez d'ailleurs pas à la partager sur Twitter. En tout cas, ça m'a fait plaisir de revenir auprès d'Hugo afin, avec vous, de passer une belle victoire.